Culture. En super forme, qu'est-ce qui vous donne cette énergie, Linda? C'est l'été, c'est le soleil, c'est les bonnes nouvelles culture. C'est les bonnes nouvelles, c'est un tout, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Voilà, et puis il y a aussi une positive attitude. C'est bien. Hein, vous l'avez vous aussi. Oui, bah oui, j'essaie en tout cas tous les matins, tous les jours que tu fais. Voilà, alors on va commencer justement par ce qui se prépare actuellement, notamment ici dans la capitale. Vous avez un beau rendez-vous au niveau de la Casbah d'Alger. Le Chaabi chante l'indépendance. Et c'est à l'occasion des festivités du 5 juillet. C'est l'association Ben Mezrena qui organise un projet autour notamment de la célébration de la journée de l'indépendance, de la jeunesse. Ce sera le jeudi 4 juillet à partir de 16h. Ce sera en fait au niveau de la placette qui est dédiée à Hadj Mohamed Al-Anqa. Donc la rue Arbedji. Il va y avoir donc dans cette rue pas mal de rencontres autour du Chaabi, de la chanson. Il y aura une scène musicale qui célèbre le Chaabi, puis tout, avec toute cette festivité que les gens de la Casbah connaissent, organisent, etc. Ce sera à partir de 16h jusqu'au soir. Une très belle rencontre se fera au sein de la Casbah d'Alger. Nous avons également, toujours dans le cadre des festivités, vous avez aussi à Khinchla le cinéma et le théâtre qui sont à l'honneur, avec un nombre important donc de festivités liées également au théâtre. Nous avons aussi Int Emotion qui célèbre le festival de la marionnette. C'est aussi une tradition et coutume dans la région de Sidi Bel Abbès également. Donc on revient aussi à toutes ces rencontres-là, sans oublier nos expositions de peinture un peu partout à travers la capitale, notamment puisque c'est aussi la capitale qui est connue par ces espaces d'art plastique qui vont être aussi tous aux couleurs des festivités du 5 juillet. Et puis, à partir du 6 juillet, vous avez, préparez-vous également au festival de la danse et de la chorégraphie qui va se dérouler au niveau de l'Opéra d'Alger. Donc ça va être aussi un très 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 bel événement. L'Opéra d'Alger qui aussi cet espace fêtera le 5 juillet avec une immense, très 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 belle rencontre artistique et culturelle. On va y revenir très très certainement, ce sera bien avant le 5 juillet. Ce sera donc un très très beau rendez-vous culturel ou artistique où tout va s'entremêler, musique, danse, chorégraphie, chant, à l'occasion des festivités du 5 juillet. On va revenir à pas mal de sujets liés à ce beau rendez-vous que nous aimons tant et qui nous tient vraiment à cœur. C'est un menu qui donne envie, des rendez-vous, on a hâte, Linda. Et puis, il faut savoir que nous avons entamé la grille de l'été depuis hier. Donc, il y a de la musique, playlist, donc vous allez profiter de la musique, de la détente. Et puis après, vous allez on sera au cœur de tous ces rendez-vous également. Voilà, Soraya Bouatbaï, le magazine avec Mohamed Walbi. Et on enchaîne avec toujours de la dynamique, toujours liée à la culture et aux arts. Et c'est la grille de l'été 2024. Ouais, ça va nous permettre de prendre des couleurs. Merci. Merci à vous. Linda, 7h56 sur Alger, chaîne 3.